Ça bricole, n'est-ce pas, monsieur le garagiste? Parce que j'aimerais quand même savoir ce qu'elle a, ma voiture. Bah, là, pour ça, je ne vois pas ce qu'elle a, mais bon. On va peut-être voir avec le choc culasse, peut-être le choc culasse qui est pété. Et puis, voilà. Voilà, sinon, on va voir quand on passe sur le papillon, peut-être qu'il est grillé avec le temps. Après, des fois, les trucs, ils s'usent et tout, les ramels, elles font bien gros tas, tu sais, ça fait des étincelles, du coup, le toit ne démarre plus. Voilà, j'ai envie de rire. Une mécanicienne chez Citroën. Elle démarre pas votre voiture, ce gars-là? Elle démarre ou pas? Ouais, elle démarre. Elle démarre? Fais peut-être la direction assistée. Pas sûr. Ça n'a aucun rapport. Non. Bien, bien, bien. Bonjour à tous. Je suis peut-être en contre-jour. C'est pas grave. Carrette numéro 18. La putain. Je suis très calme. Bon, aujourd'hui, on laisse tomber les moteurs thermiques. C'est pas pour nous parce qu'on va aller chez Renault. On va aller voir la Renault Zoé. Ah, c'est déjà voilà. Allez, il a réussi aussi. Bah maintenant, il faut en avoir un code direction assistée. Hein. Je vous ai dit, il y a 2 minutes, il y a des directions assistées. Quand vous tournez le volant, c'est dur? Non. Non? Merde, c'est pas direction assistée, là. Et bah oui, même dans la Zoé, on vous fout le système audio Bose. Alors, on est sur la Zoé, finition. Édition limitée Star Wars, là, en ce moment, ils sont avec Star Wars, donc voilà. Alors, au niveau de l'intérieur, voilà un petit peu, siège en tissu noir, c'est des sièges tellement spécifiques à la Zoé. Avec un petit machin de cuir sur le côté. Ouais, voilà. Donc l'intérieur, bah écoutez, ma foi, c'est quoi? C'est plastique poncé? Ah non, c'est un peu dur. Voilà. Oui, pour ce qui est du reste, c'est une Renault, on a le fameux volant, c'est quoi? C'est de la croûte de cuir, un truc comme ça, je sais pas quoi. Ouais, voilà, donc le volant, on empêche pas mal, la petite instrumentation numérique aussi. Écoutez, ma foi, tout l'ensemble est plutôt bien réussi, je trouve. Et puis l'ambiance noire passe très bien avec le petit rappel du violet de la finition là, Star Wars. Parce que c'est ce que je reproche dans pas mal de bagnoles, c'est les ouvrants de ventilation qui sont mal finis. C'est-à-dire quand tu les fermes, soit ça fait un vieux claque, soit t'as l'impression de tout casser. Mm-hmm. Là, non. Tu manipules ça, c'est fluide. Mm-hmm. Ça, ah, c'est, voilà, bien. C'est bien fini, quoi. T'as pas peur de le manipuler. Il y a plein de bagnoles, même des Dacia ou même des autres bagnoles, hein, des Renault, des Citroën, n'importe quoi. J'ai peur de manipuler ce truc-là parce que... Bah, je me dis, ça va me péter dans les mains, quoi. Le truc, il fait clic, 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 clac. Oh. Là, il n'y a pas un bruit. Ah, bien sûr, vous avez le Airlink, hein, ça, bon, bien entendu, hein, obligatoire chez la Renault, obligé. Vous êtes forcément en boîte automatique, hein, sur le Z2, c'est forcément. La capacité du coffre sur cette Zoé, c'est 338 litres, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et le petit tissu de la finition revient sur les portes aussi. Voilà, les vitres full électriques, etc. On va passer un petit peu à l'arrière, on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez à l'arrière, en fait, il faut appuyer ici, et puis on ouvre. Alors, bon, potentiellement pour un grand gabarit à l'avant, hein, sauf il n'y a pas de surprise, c'est un peu just. C'est carrément plus just que dans ma Saxo, c'est-à-dire que là j'ai plus d'espace. À moins que bon, le siège est peut-être un peu reculé. Hein. Mais ma foi, à l'arrière, les sièges sont. Ça va. Moi je me vois bien faire une bonne centaine de kilomètres sur les sièges. Alors pareil, la place du milieu, c'est la place du mort, il n'y a personne. Voilà. Le ciel de toit avec l'incrustation du machin, là. Putain, c'est tellement bien foutu, ça aussi. Regardez ça. C'est magnifique. On a toujours le rappel du Bose sur le truc, parce que je vous rappelle que c'est avec le système audio Bose. Donc voilà. Tout ça, ma foi, c'est pas mal. On va aller voir un peu le coffre. Parce que dans une voiture électrique, des fois... Bon. Ouais. Devant, on est sur une ambiance noire, entièrement noire, tableau de bord noir, siège noir, c'est tout noir. Et là, tu passes au coffre, c'est du blanc. Oui, oui, c'est bizarre. C'est... Bon. Donc, voilà un petit peu le coffre avec la prise électrique pour recharger la Zoé. C'est la Z240, si vous cherchez. C'est la Z240 Star Wars, hein, de ouf. Ils mettent toujours le caisson Bose. Oui, bah oui, c'est il y a le système audio Bose, donc forcément. Ouais, mais ça prend de la place dans le coffre. Et si tu mets quelque chose de lourd dessus, qui me dit que ça va pas exploser le machin. On n'en sait rien, c'est vrai. Donc, écoutez, ma foi, c'est pas mal. C'est voilà, on est très bien. Je vais aller voir un peu côté passager devant, si tu veux bien. Petit rappel de Zoé ici, pas mal aussi. Petite boîte à gants. Alors, boîte à gants, elle est placée assez bas et elle est assez petite. Ça fait un vieux bac comme ça. Ouais, c'est voilà. Mais vous avez quand même un range stylo aussi. Mais ça m'étonnerait que dans les grosses accélérations de malade qu'on pourrait faire, les stylos restent là. Ça m'étonnerait bien quand même.
Si tu cales des stylos ici, les stylos vont se barrer. Moi, je te le dis. Airbag passenger. Alors bon, bah, comme je vous le dis, la finition est assez soignée. Les boutons, ça va, sont bien. C'est bien. Voilà. Hein, même les poignées de porte ne bougent pas. Donc voilà pour cette Renault Zoé. Je vous rappelle que c'est l'édition Star Wars. C'est la Z240. Donc l'édition Star Wars, hein, c'est forcément une édition un peu spéciale. Il y a encore les petits plastiques ici. Et le petit bouton Star Stop éclairé en bleu et tout, c'est beau. Ça serait bien qu'on puisse en essayer une, franchement. Ça serait très très bien parce que c'est une voiture électrique déjà, on n'a pas tout le temps l'occasion d'en conduire une. Et puis voilà, écoutez, globalement c'est tout. Hein, vous voyez un petit peu l'arrière, voilà, petite banquette, bon. Et puis voilà, hein, ma foi. Ma foi. Ah, ouais. Ah c'est beau ça. Un peu poussière. Hein. Là vous avez le manche carte Renault, hein, parce que c'est des cartes, c'est pas des clés. Vous avez lecteur USB et lecteur carte SD aussi pour la radio et une prise auxiliaire. Le limiteur régulateur de vitesse c'est ici, ça c'est le bouton écho pour économiser de l'électricité parce que ça coûte cher. Je sais plus combien de kilomètres d'autonomie, celle-là je vous le mets ici, là, voilà. Et puis bah ma foi en fait ça reste quand même simple on va dire, c'est pas genre dans la fioriture la plus totale, plein de trucs partout. Ça reste simple. C'est simple d'utilisation, je dis voilà, t'as deux pédales, accélérateur frein et c'est terminé. C'est une voiture électrique. Moi je suis con parce qu'avec tout ça, je vous ai même pas parlé du 0 à 100 sur cette Renault Zoé. Maintenant on est plus dans le garage donc je peux parler comme je veux fort avec une grosse voix. Donc voilà le 1, le 0 à 100, voilà. Donc comme toutes les voitures électriques, on pourrait dire ouais c'est assez rapide quand même. Bah là on est sur des valeurs qui sont voilà. Ils sont à peu près, on va dire... Disons que c'est pas une folie. Oui. Par rapport à une thermique, il y a des thermiques qui font largement plus rapide que ça. Quoi. Donc alors, parlons prix. L'édition Star Wars de la Renault Zoé, vous pouvez l'avoir pour 27 000 euros. C'est ce qui est écrit sur le site de Renault. À partir de 27 000 euros, bien sûr, vous avez les équipements Z2 de la finition intense, parce que c'est un dérivé de la finition intense. Tiens, vous pouvez avoir le Wi-Fi dans cette Renault Zoé en option. Me demandez pas comment ça marche, hein. Il y a une borne Wi-Fi, c'est tout, et puis à mon avis, après c'est avec Renault, genre vous avez un contrat Wi-Fi, je sais pas quoi, bon bref. Caméra de recul, et puis les jantes alliage 17 pouces, hein. Les jantes que vous avez peut-être pu entre-apercevoir tout à l'heure. Voilà, ça serait bien, un jour, je crois que je vais faire ça, un jour je vais demander si je peux pas en essayer une de Renault Zoé, je vous embarque avec moi, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on fait pas d'essai. C'est ça un peu le truc compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'essai. Bah en fait on est limité parce qu'on est jeune permis quoi. Voilà on est jeune permis donc c'est compliqué. Alors l'année prochaine on va pouvoir mais encore c'est pas sûr. C'est l'année prochaine. Et voilà. Le truc c'est qu'il faut pour bien faudrait qu'on ait des partenariats quoi. Ah oui. Ça ouais. Voilà donc en attendant je vous laisse. L'épisode 19 arrive bientôt hein. Vous verrez ça, je referai peut-être un sondage à l'occasion. Mais j'ai envie d'aller ailleurs que chez Citroën et Renault ou Peugeot parce qu'on va tout le temps chez eux. Donc à la limite proposez-moi dans les commentaires etc où est-ce que vous voudriez bien qu'on aille à part Renault, Peugeot et Dacia, enfin à part Renault, Peugeot, Citroën, parce qu'on a déjà été maintes et maintes fois, disons. Et comment j'ai ouvert je mets ma ceinture en même temps parce que c'est important. J'ai ouvert un Instagram pour Carette. Je vous le mets dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, il n'est pas rempli. J'ai pas remis toutes les anciennes publications de la page Facebook de Carette. J'ai pas tout remis dedans. Mais toutes les nouvelles. Bah, d'ailleurs, j'ai oublié. Voilà, bon, c'est pas grave. Je prendrai une image de la vidéo. C'est pas très grave. Et donc, j'ai ouvert donc, un Instagram. Eh ben ici ça... Putain on voit rien avec leurs arbres nerveux. Enlevez vos putains d'arbres. En plus ça sert à rien quoi. Conseiller à la ville de Saint-Denis. Merde. Et donc j'ai ouvert donc ce compte Instagram et donc je mettrai à chaque fois des photos à chaque fois de chaque épisode de Carrette que je ferai. Bah, je mettrai une photo pour vous annoncer l'épisode. Ciao. Allez avance putain de merde.